première fois qu'on s'est rencontrés, c'était par Gilbert Rozon. Ah bah oui. Le Québécois. C'était. On faisait passer les vacances avec Gilbert et il avait trois enfants et moi deux qui avaient le même âge. Hyper dynamique, on peut dire, hein, les enfants. Oui. Et on s'est dit, on va les mettre ensemble, comme ça ils se foutront sur la gueule et nous laisserons tranquilles. Et puis Gilbert me dit, il y a Renaud qui va pas bien. Il va venir en vacances avec nous. C'était en Italie ces vacances. C'était en Italie. Alors, comme d'habitude, Gilbert avait, on devait être 10, il avait loué une maison de 43 pièces. Et au début, d'ailleurs, on se paumait. J'ai failli dormir avec Renaud, je ne trouvais pas ma chambre. Et il y avait les enfants, et j'avais dit à les enfants, je dis, vous le laissez tranquille parce que, bon, là, il va pas bien, il vient se reposer. Le plus jeune, Alexis, je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait peut-être 6 ans à l'époque, ne l'a pas lâché pendant 3 semaines. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Pourquoi tes cheveux sont blonds? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu trembles? Et j'ai arrêté de boire. Et mon fils lui dit, on va faut recommencer. Et du coup, et il était d'une patience. Il faisait l'assiette comme ça, je me rappelle, et une fois il était allongé comme ça, tranquille, et puis il faisait chaud et tout ça. Et là j'entends tout d'un coup, c'était mon fils qui lui a sauté dessus. Comme ça, je vois la scène, je fais oh putain. Et lui, c'était comme ça, fait ah. Et il voit que c'est Alexis, il fait Alexis. Et je pense que les enfants qui ne l'ont pas lâché, parce que les autres non plus, pendant toutes ces 3 semaines, ça lui a fait un bien phénoménal. Ils ont même réussi, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, à le faire jouer au foot. Oh non. Ah, tu t'en rappelles pas? Non. Malheureusement, je n'ai plus les photos parce que c'était mon ex-femme à l'époque qui prenait les photos et elle est partie avec l'appareil photo. Elle est partie, gamin. Elle est pas avec l'appareil photo d'ailleurs. Elle est partie avec. Voilà, voilà.